On est actuellement en route pour les serres de la ville de Paris, les serres qui sont à Rungis ou à Fresnes. Elles sont entre les deux. Entre les deux, entre Rungis et Fresnes. On va dire entre les deux, c'est un peu sur Fresnes, un peu sur Rungis. Jean-Yves. Et donc on va récupérer des plans qui pourront servir à faire des démos pour l'expo. Donc c'est des plans pour Alexis. Hein. Alexis fait du bonsaï, c'est pour toi qu'on va là-bas, qu'on fait tous ces efforts. C'est pour récupérer des plans. Alors on a entendu parler de pin noir. Pin noir d'Autriche, très sympa, donc on va aller voir ça. Il y a également un petit genévrier qui a été mis de côté par Vincent Lisiac du Parc Floral, qui est très sympa aussi. Donc ça fait trois possibilités. Donc tu me diras ce que tu en penses. Et vous qui regardez la vidéo, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez pour qu'on puisse utiliser ces plans pour faire une démo lors de l'événement Bonsaï Culture au Parc Floral, fin octobre 2021. Voici ces deux petits pins noirs d'Autriche qu'on a sélectionné avec Jean-Yves et qui me semble être intéressant. Et déjà, il a un très beau tronc déjà. La base, elle est super. Et puis déjà, il a une forme assez sympathique, vraiment. Là, déjà, comme ça, de base, tu peux même distinguer déjà les premiers plateaux. Ouais. Après, il y a des grosses branches qui sont face à face qu'il faut supprimer. Mais non, il y a moyen de faire quelque chose. Donc ça, c'est le premier arbre qui est vraiment très sympathique. Très sympatoche. Et le deuxième qui est un peu dans la même veine. Hein. Finalement, les deux ils ont cette forme un peu moitié Moyogi, moitié Chacan, un peu penché comme ça. Enfin là, en l'occurrence, ça va être plus être Chacan pour celui-là. Mais pareil, il y a vraiment quelque chose à faire sur les plateaux. Et on distingue vraiment l'Omoté et l'Ura, donc l'arrière de l'arbre et la face avant, qui sont très très distinctes. Très très distinctes. Voilà, donc de jolis Pinus nigra austria, donc les pins noirs d'Autriche. Et notre ami Alexis va avoir du travail. Et donc si vous voulez voir à quoi peuvent ressembler ces arbres une fois formés, enfin en tout cas, je pense qu'il y aura une formation pendant l'expo Bonsaï Culture au Parc Floral, mais il n'y aura pas de rempotage. Le rempotage interviendra l'année suivante. Et bien, vous venez à l'expo, et puis vous les verrez formés par Alexis. Alexis Bourras de Alexis fait du bonsaï. Bon, maintenant, la blague, ça va être de les faire rentrer dans la voiture. Et c'est pas une voiture de la ville, effectivement, c'est une voiture perso. Est-ce que ça va rentrer? Mystère et boule de gomme. Mais bien sûr que ça rentre. On risque de se piquer un peu le dos, mais... 4 Pas sûr. Hein. C'est mon premier bon jet. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ben après, on va s'en occuper gentiment. On va les mettre dans des jolis pots et ils feront partie de la collection du parc. Et d'ici quelques années, pour admirer le travail. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de pouvoir les travailler pendant l'expo et qu'après, ils fassent partie, ils intègrent la collection. Donc, bon, ça met un peu la pression à Alexis. Là, il faut qu'il fasse quelque chose de bien, quoi. T'as les cartes en main. T'as les cartes en main, Alexis, on a dit. Faire un bel arbre. Rendez-vous le 23, 24, 25 octobre 2021 au Parc Floral pour Bonsaï Culture au Parc Floral. Vous venez à l'expo et puis vous libérez, formé par Alexis. Allez.
Alexis Bourras de Alexis fait du bonsaï. Rendez-vous pendant l'expo. Ah ouais, il y a du boulot quand même. Hein. Bon, bah rendez-vous au parc floral.